Il a tout vu en Jamaïque, du ska au raga digital. Le vétéran Lee Perry dégaine son dub dans Trax. Au panthéon du reggae, Lee Perry a sa garçonnière. À 75 ans, dont 60 au service de la musique jamaïcaine, ce producteur-chanteur qui se révèle danseur est à l'origine de grands miracles. Le dub qu'il inventa dans son studio de l'Arche Noire, The Black Ark en anglais, au début des années 70. Ou Bob Marley qui enregistra ses premiers tubes chez lui avant de devenir une star planétaire. Aujourd'hui, Lee Scratch Perry a posé ses valises en Suisse où il bricole une White Arch pour remplacer l'autre, la noire, qu'il a incendiée à Kingston il y a 30 ans. Pour Trax, le Scratch se plonge dans la malle au trésor, histoire de prouver qu'il n'est pas si cinglé qu'il veut le faire croire. This is my special star. Voilà ma star à moi, mon homme à moi. Clint Eastwood, yeah. Clint Eastwood. C'est l'homme parfait, avec un esprit parfait et un cerveau parfait. Il parle parfaitement et il agit à la perfection. C'est dingue. Le bon, la brute et le truand. Marre-toi à ma fête, bon, brut ou truand. Le premier truc que j'ai écouté en musique, c'était du Boogie Woogie, Louis Jordan, et tous ces mecs incroyables. Il fallait que je m'entraîne pour danser. Et je faisais mes exercices sur du Boogie Woogie en passant du bon temps. Ah, Lee Dorsey. Je ne me souviens pas du morceau Holy Cow, mais Working in a Coal Mine, c'est génial. Il y avait un DJ dans les 50s qui s'appelait Winston, qu'on surnommait The Meriton. Il était branché musique américaine et il jouait des tubes que personne n'avait. Pas beaucoup de reggae, mais les meilleurs artistes. Des trucs étranges à danser comme le shuffle et ce genre de pas. Do you?
Get down.